Si vous voulez ne pas nous emmener sur des sujets glissants. Monsieur le Président, je vais essayer de rester sur les sujets de la métropole, mais il me semble que le précédent était quand même un sujet métropolitain. C'est votre développement qui a été très long. La gestion des ordures ménagères constitue un très fort enjeu environnemental, donc un sujet présidentiel. Notre objectif en tant que collectivité est d'informer et d'inciter les citoyens et les entreprises à mieux trier et à arrêter le volume des déchets. Dans ce cadre, la politique portée par Émile Baume en faveur de l'économie circulaire est un très bon projet que nous soutenons pleinement. Les élus UDI estiment que le passage de la TEOM à la redevance d'un règlement des ordures ménagères incitatives permettrait d'encourager les bonnes pratiques. C'est une évolution marquante, celle de passer du stade de la taxe au stade de la facturation d'un service rendu. L'importance de ce changement se reflète sur la responsabilisation des utilisateurs à mieux trier et à mieux consommer pour qu'ils aient moins cher leurs enlèvements d'ordures ménagères. Il s'agit à la fois d'un enjeu à titre individuel, mais également un enjeu important sur les structures collectives, comme les restaurants collectifs, nous en avons parlé tout à l'heure, ou les ventes scolaires. En 2016, nous avions demandé d'étudier les conséquences de la mise en place d'une redevance incitative au niveau de la métropole de Lyon. À ce jour, nous regrettons le peu de prise en compte de cette question qui mérite à notre sens étude et débat. Nous saluons cependant, une fois encore, le volontarisme d'Émile Baume qui essaye de faire avancer contre vent et marée l'étude et la notion de tarification incitative dans notre collectivité, notamment via le cadre de la démarche zéro gaspillage. Je vous remercie.